Yahushua, qui est appelé Jésus, est le don. Bénis sont ceux qui le connaissent et l'acceptent. 4 janvier 2006. De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Yahushua est le Messie, le Mashiach de mon peuple. Pourtant, comme des agneaux désabusés, tous ont erré et ont suivi leur propre voie, perdus dans un monde d'égoïsme et d'avidité, plein de doutes, s'attachant aux nombreuses tromperies de ce monde et des hommes, poursuivant toujours les désirs de leur cœur corrompu. Mes enfants, oui, tous les peuples de cette terre, entendez-moi et comprenez. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et pourtant, vous continuez à chercher la vérité. Vous cherchez des preuves en vain. Courant en tous sens sur la terre entière, vous nourrissant jour et nuit, avec la connaissance corrompue des hommes, dans votre tentative vaine de comprendre Dieu. Bien-aimés, je suis la vérité. Je suis le seul chemin. Pourtant, par vos nombreux livres et discussions intellectuelles, vous avez perverti la vérité et avez corrompu le chemin. Car toutes vos actions sont vanité forgée dans l'arrogance et le péché. Ô vous, moutons égarés, pourquoi errez-vous? Je suis près de vous. Cherchez vos cœurs et découvrez-moi. Car je vous ai donné tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans les Écritures de vérité. Oui, je vous ai donné pain et eau comme viande pour le corps, mais les Écritures de vérité vous maintiendront jusque dans la vie éternelle. Si vous croyiez et ne viviez que par ce qui est prononcé de la bouche de votre Père, écoutez donc et accomplissez votre sérieux désir d'avoir la preuve. Car je vous l'ai donné afin que vous croyiez. Yahushua est la parole, tout comme je suis la parole. Nous sommes un. Et si nous sommes un, tout ce que je déclare est accompli par lui et en lui. Et s'il est l'accomplissement de tout ce qui est écrit, le but même visé par l'ensemble des Écritures, alors, pourquoi ne croyez-vous pas qu'il soit qui il est? Repentez-vous donc en son nom et soyez élevés. Résistez à la vérité et soyez jugés. Brandissez le poing vers les cieux et rassemblez-vous contre le Saint d'Israël et vous serez consumés, détruits par ce que vous avez refusé d'entendre. La parole de Dieu qui procède de la bouche de celui qui est aussi la parole, abattant toute hostilité dans ces terres desséchées et assoiffées, les recouvrant d'écarlate, ne permettant ni compromis, ni division. Voici, tout est balayé et restauré dans la justice, pour toujours et à jamais. Amen. Car ainsi est l'héritage des saints, le repos et la gloire, en présence de l'agneau, qui sera leur berger pour l'éternité, la vie sans fin.